Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Le monde d'après, nous y voilà. Un mois déjà que le déconfinement a eu lieu. Après un isolement de 2 mois à explorer notre fort intérieur, coincé dans nos appartements, nous avons redécouvert les liens en famille, cuisiné, développé des activités créatrices, jardiné, enfin vécu. La question est, trouvons-nous réellement que le monde d'après est différent du monde d'avant ? Eh bien à la fois, oui, et à la fois, pas du tout. Finalement, il y a 2 mondes. Commençons par le plus minoritaire, mais le plus réjouissant pour l'avenir. Le confinement a vu la progression fulgurante du développement des circuits courts, de ventes directes à la ferme. La pénurie sur certains produits qu'a provoqué la crise du coronavirus a permis tout de même d'alerter les consciences sur la déconnexion que nous avons entre le produit, sa méthode de fabrication et sa provenance. Il s'agit de résilience alimentaire. Pour éviter toute pénurie, les territoires doivent redévelopper les producteurs et les circuits courts. Le deuxième grand gagnant de la crise est le vélo. La désertification automobile des villes a permis au vélo de réapparaître dans un air sain où les oiseaux gazouillent en toute sécurité. De nombreuses pistes cyclables ont donc été mises en place dans de nombreuses villes européennes. Repenser la mobilité urbaine, un enjeu déterminant dans la transition. Alors que nous sommes formés à la compétition et à l'individualisme, aux 4 coins de la France, des civils, des associations ont pallié aux défauts de l'État dans son rôle protecteur. C'est un point extrêmement positif. La crise a déclenché la solidarité, point essentiel à la transition, comme avec le cas des couturières qui se sont immédiatement mobilisées de manière bénévole. Et pour terminer sur ce nouveau monde minoritaire, il nous a permis de constater notre forte capacité de mobilisation lorsque nous sommes contraints. Ce nouveau monde de solidarité né dans la précarité doit nous rester à jamais en mémoire car le monde d'après, d'un autre côté, n'a pas vraiment changé et va continuer à se détériorer. Même si nos consciences du monde et de notre fragilité ont évolué, nous sommes toujours coincés par différents facteurs qui nous empêchent de concrétiser dans l'action ce changement de conscience dans la vie réelle et donc vers un monde nouveau. Quels sont-ils? Le premier facteur est individuel et cognitif. Même si nous avons redécouvert avec émerveillement la faculté d'apprécier le temps qui passe en toute quiétude et avec spontanéité, nous sommes programmés depuis notre enfance à un type d'évolution calqué sur le système économique de croissance. Ce paradoxe interne entre une envie de liberté et de quiétude est en désaccord total avec le modèle de développement qui nous demande de croître et donc de nous développer par l'endettement. Aussi sans rupture totale avec le système et donc une marginalisation, il est difficile de pouvoir dire que le monde a changé. Notre rapport durée de vie, temps de travail conditionne notre existence sur Terre. Voici le premier frein au changement. Le second frein individuel est la contrainte et la frustration liées à la transition qui rime généralement avec décroissance et modification de nos comportements. Or, nous savons pertinemment que nos comportements ne peuvent être modifiés qu'à la hauteur de ce que nous pouvons éliminer de notre consommation dans le contexte immédiat. Prenons mon exemple, je suis chroniqueur radio, j'utilise Internet pour m'informer, mon ordinateur pour écrire, un micro pour m'enregistrer et 3 supports web pour diffuser. Étant donné ma conscience des crises actuelles environnementales, mon utilisation de l'énergie pour créer et diffuser mes émissions est en totale contradiction avec ma conviction de résilience. Pourtant, cela me semble utile et urgent. Cette dissonance cognitive est aujourd'hui partout autour de nous et ne doit pas être un obstacle au changement. Elle ne doit pas être vécue comme une culpabilité et un échec. Je dois aller travailler, je n'ai que ma voiture, dois-je culpabiliser? Non, je ne le dois pas. Je dois essayer de trouver des alternatives, mais le plus gros influenceur de transition reste l'État. Et nous arrivons ici au troisième facteur. Nous savons que les changements nécessaires à la résilience des peuples nécessitent plusieurs points.
Tout d'abord, une information claire et objective sur l'avenir humain, bien évidemment soutenue par les thèses scientifiques. Or, nous assistons à un défilé de fake news sur fake news. Les élites du monde manquent à leur premier engagement, informer et éduquer les peuples sur l'avenir de la civilisation face aux multiples crises émergentes et entrecroisées. Le président français nous disait que le monde de demain ne sera pas celui d'hier, et il a peut-être raison sur un point. Le récit proposé est en train d'évoluer vers un Green Deal, ou comment nous convaincre que nous avons la capacité de continuer à croître à partir d'énergies renouvelables. À aujourd'hui, le renouvelable n'existe pas. Il est intrinsèquement dépendant des énergies fossiles. Création de panneaux solaires, parcs éoliens, turbines marines ou tout autre dispositif nécessite des ressources qui se raréfient, comme le quartz, par exemple pour le solaire. Tous ces équipements ont une durée de vie limitée, ce qui signifie qu'il faut pouvoir réinvestir et créer de nouveau. Or, nous savons que dans le temps, ce n'est pas viable. Qu'à titre local, de petites initiatives voient le jour pour de petites communautés, pourquoi pas? Mais n'oublions pas que toute démultiplication à l'échelle de 7 milliards d'individus est forcément très influente au niveau carbone et amplifiera fortement le réchauffement climatique. Je vous invite, si le sujet de l'énergie verte vous intéresse, à regarder sur YouTube un film documentaire de Jeff Gibbs et Michael Moore intitulé « Planète des humains » ou « Comment le capitalisme a absorbé l'écologie ». Simplement édifiant sur la capacité humaine à maintenir un système en place, même si celui-ci est destructeur. Ce nouveau récit vers lequel la France, l'Europe, le monde souhaitent nous faire adhérer n'est qu'une pâle copie du monde d'avant permettant aux élites de garder l'adhésion majoritaire des populations sur le modèle de développement. Car si demain travailler ne signifiait plus élévation sociale et accumulation de biens, pourquoi aurions-nous besoin d'être dirigés? Nous avons d'ores et déjà abandonné le combat de la protection de nos biens communs au cours des dernières décennies pour l'eldorado que représentait la consommation occidentale. La finance, aidée des politiques, continue de mentir sur un probable niveau de vie nécessaire à conserver ou à développer. Ne soyons pas dupes, nous savons pertinemment que la récession est aujourd'hui et sera désormais pour la fin de l'humanité. Oui, il y aura des petits pics de croissance, le déconfinement en est un, mais la menace d'un chômage de masse, d'une perte de pouvoir d'achat, d'une augmentation du temps de travail, de banques fébriles pour autoriser du crédit, ne peut que progressivement amplifier la récession française et mondiale, bien sûr. Si le monde d'après était si désirable, le confinement n'aurait pas permis de laisser passer des lois permettant aux entreprises de dépasser les contraintes environnementales en France comme à travers le monde. L'Amazonie n'a jamais été autant ravagée. La course folle aux énergies continue, massacrant un peu plus les derniers espoirs de la résilience souhaitée. Sous un discours très vert se cachent des actes qui continuent de nous diriger vers une destruction du vivant. Cette sortie de confinement, finalement, a conforté certaines personnes dans leur conviction sur les fragilités systémiques de la mondialisation humaine, a rallié également d'autres personnes victimes directes de cette crise. Mais nous constatons tout de même que le politique et l'économique ont fait sécession. Alors que les dispositifs de santé manquent, la bourse n'a jamais autant ramené de dividendes. Et le politique continue son déni d'une autre voie, d'un autre modèle, se complaisant dans le développement de la surveillance actée par le confinement et le déconfinement. Les milliards versés aux entreprises par la France et l'Europe n'imposent aucune contrainte. Air France annonce annuler 40% de ses vols intérieurs, les vols de moins de 2 heures de distance en train. Tout le monde se réjouit de cette avancée, jusqu'à la découverte du poteau rose. Air France possède une filiale qui s'en occupera. Vous le voyez, le Green Deal? Nous observons les prémices du monde de demain. Cependant, tous ces freins et toute cette propagande reposant sur l'endettement et aujourd'hui sur la volonté d'un Green Deal ne doivent pas nous faire oublier que le développement futur n'est pas dans le développement excessif des renouvelables, puisque nous savons pertinemment que c'est impossible, mais dans la neutralité de consommation, car finalement, nous faire croire que nous disposerons de toute l'énergie nécessaire ne nous aide pas à sortir du modèle consumériste. Au contraire, il nous vend encore la promesse d'une émancipation individuelle, alors qu'il suffirait de moins consommer et donc d'avoir besoin de moins d'énergie. C'est bien là où l'humain n'est pas raisonnable et préfère s'inventer une sobriété carbone par les renouvelables. Ralentir est le seul moyen. La crise du coronavirus a provoqué une baisse de 4% d'émissions de gaz à effet de serre.
Pour rester sous les 1,5 degré de réchauffement, il faudrait une pandémie chaque année. Imaginez le travail à accomplir. Notre salut repose bien sur un ralentissement et non sur un report de support énergétique. Ce qui est terrible, c'est que de nombreux outils sont déjà disponibles pour rééquilibrer nos sociétés, mais elles ne passent jamais dans le discours dominant, ni dans les médias, et pour être acceptées par la population, le deuil du concept de croissance doit être fait. Prenons l'exemple des gilets jaunes. Tout a commencé avec l'augmentation du carburant. Le carburant est directement lié à la subsistance, donc au travail, quand lui-même est lié à la richesse individuelle, qui elle-même est liée au système de développement en place qui dépend du PIB. Si vous modifiez l'indicateur PIB par indicateur carbone dans votre système directement lié à votre richesse personnelle, donc étroitement lié aux investissements que vous faites, à l'impact que vous avez sur le vivant, vous rééquilibrez immédiatement l'égalité face aux ressources et donc entre chaque individu. Et vous mettez fin à la privatisation du vivant dont nous dépendons. Cette solution est uniquement possible si nous renonçons aux futilités que nous propose le système. Sans réel changement, l'humain retombe toujours dans ses mêmes travers. Pourtant, le capitalisme que nous connaissons n'a que 200 ans sur l'échelle de l'humanité. Alors le monde de demain se prépare certainement, mais quelle version nous attend ? Elle dépendra certainement d'un lien étroit entre conscience et action d'une majorité. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Tout de suite, il est peut-être temps de changer, avec le dernier titre de Célestin. On dit communément, le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du temps. Car l'argent qu'on gagne c'est du temps de vie qu'on dépense en travaillant. Puis on le perd en achetant des choses inutiles censées nous faire gagner du temps. Quand on a fait son temps, on fait son testament et on part sans notre argent. À l'heure actuelle, un tiers des humains n'a pas accès à l'eau potable. Il faut 2 litres d'eau pour faire une bouteille d'eau qui pollue l'eau encore buvable. Il faut 20 litres d'eau pour faire un coca, 1500 pour un steak haché. Une fois digéré, c'est dans l'eau potable qu'on court s'en débarrasser. Changer. Faudrait peut-être changer ensemble. Il y a peut-être quelque chose à changer ensemble. Ce serait peut-être pas bête de changer ensemble. Dire sans équivoque, on pense que l'Afrique est le plus pauvre des continents. On leur envoie des crayons de couleur, des livrets, des vieux vêtements. Ils nous envoient de l'or, du pétrole, de l'uranium et des diamants. Est-ce que l'Occident aide l'Afrique ou bien l'Afrique aide l'Occident? Il y a 200 000 SDF en France et 3 millions de logements vides. Une mort sur 5 liée à la malbouffe, mais on décompte celle du Covid. Pouvez pas vous tromper, suivez l'embouteillage, vous tombez sur le McDo. La France est en pleurs, l'État en profite pour refaire ses stocks de lacrymo. Changer. Faudrait peut-être changer. Changer ensemble. Ce serait peut-être pas bête de changer ensemble. Dire quand on achète moins de choses inutiles, on détruit l'économie. Quand on achète plus de choses inutiles, c'est la vie qu'on détruit. S'il y a quelque chose qui n'est pas inutile, c'est bien de rester en vie. Dès qu'elle ralentit, on fait tout notre possible pour relancer l'économie. Si les lois s'appliquaient à ceux qui les votent, l'Assemblée aurait des barreaux. Paris bafoue les accords de Paris, Macron s'en fout, pas vrai, pas faux. On est comme des homards au fond de la marmite de chefs climato-sceptiques. On achète plus de clim alors que les clims attisent le feu sous la marmite. Le QI du blond le plus puissant du monde dépasse pas le nombre de ses dents. La majorité des médias en France appartiennent aux amis du président. Si je crie dans cette chanson destitution, elle passera pas à la radio. Célestin, tes autres chansons, elles passaient pas non plus à la radio. Faudrait que je bosse 2 millions d'années pour être aussi riche que Bernard Arnault. En un demi-siècle, on a décimé la moitié des animaux sauvages. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui restent, c'est de la viande d'abattage. Pour les engraisser, on leur donne la moitié de tout ce qu'on cultive dans le monde. Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes.
changer. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green, aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babosses. Green, tu vois? Mais tu vois, Green, absolument Green, un Green plus Green.